reste encore quelques éléments qui n'ont pas encore joué. Je pense que d'ici 2 à 3 journées, Inch'Allah, on verra un autre visage de la F2. Okay, dans un match fermé, mais vous avez pu gagner un point. Comment trouvez-vous le contenu du jeu de votre équipe? Bon, je pense que le contenu en premier temps c'était moyen. Donc en deuxième mi-temps, on a été meilleur en deuxième mi-temps. Avec des occasions, peut-être que voilà, ce qui nous a manqué, c'est peut-être le dernier geste dans la surface de réparation. Mais je pense qu'il y avait place pour les 3 points, vraiment aujourd'hui. Il y avait place pour les 3 points. Mais malheureusement, là. Donc après Pékin, aujourd'hui Casa, la semaine prochaine, j'ai FC. Est-ce qu'il y a de la place pour espérer vraiment que le maintien est possible? Ah, bien sûr, il y a de la place. Il y a de la place parce que nous, on est conscients de la valeur, n'est-ce pas, du potentiel de notre équipe. Donc on est confiant, parce que l'année dernière, c'était beaucoup plus difficile, mais on en est sorti. Donc on garde espoir, vraiment. On a vu aussi que beaucoup d'équipes ont récupéré leurs joueurs champions d'Afrique du Tchad, mais là, Stuart Tarde, toujours jusqu'à présent, a récupéré Ousmane Morifkar. Qu'en est-il de sa situation? Non, Ousmane, il est revenu malade du Tchad. Donc il est en train de récupérer, mais on espère Inch'Allah reprendre d'ici peu, Inch'Allah. Khara, on le fait.